La Kabylie n'est pas un pays, mais une région de l'Algérie, fraîche orpheline de ses martyrs. Fraîche orpheline de ses martyrs, fraîche euphorique de ses racines. La belle des régions est belle à écrire. Malgré la fuite de ses belles truites, de sa rivale qui l'est détruite jusqu'à l'horizon, pourquoi s'enfuir ? Malgré les tragédies, les inédits de l'inédit, ses très beaux paysages ravivent ses sourires. Sa bonne eau potable coule et jaillit de ses belles racines qui poussent et varient au fond de sa terre qui aime l'adoucir. Il n'y a pas d'Algérie sans sa Kabylie, comme une grand-mère sans sa fille chérie. Le temps qui passe tuera les menaces qui entourent l'enfant qui veut se nourrir. Ce beau paradis a très bien failli aimer l'enfer qui l'avait trahi. Ce n'était-ce la sagesse qui a pu lui dire ? Longtemps, jadis, on craignait le pire, celui des lâches qui voulaient pourrir les bons citoyens jusqu'à faire mourir. Pour faire repourrir l'air de l'air pur des civilisations, des sacrées cultures, les beaux endroits à les envahir. Le club déjeuner a bien embelli les terres et rivières jusqu'au fond des lits. Les braves Canaries l'ont fait embellir. En étant scintillés, fortement liés, ils l'ont fait briller de Tizi au Villet. La JS Kabylie pourra revenir. La JS Kabylie pourra revenir. Poème écrit par le poète Berber Deschus.